Avec le Xiliang vassalisé au Shu et le Wu détruit, la deuxième coalition anti-Dongzhuo ne comporte plus qu'un seul membre. L'unique dernier rival séparant Dongzhuo de l'unification, Liu Bei. Dongzhuo lance une campagne contre le Shu et ordonne à Lu Bu d'attaquer la province de Jing et de pousser l'attaque jusqu'à Chengdu si possible. Liu Bei se prépare immédiatement à accueillir Lu Bu à Yiling avec une immense armée. Diao Chan, de son côté, devient de moins en moins subtil et suggère de plus en plus ouvertement à Lu Bu de prendre son indépendance. Pour le moment, Lu Bu s'intéresse surtout à la bataille qui l'attend, mais l'idée germe petit à petit dans son esprit. Si vous l'emportez, le royaume de Shu va devenir votre seigneur, n'est-ce pas? Je ne perdrai pas. C'est ainsi. Oui, la moitié du pays va passer sous le contrôle de mon seigneur. Il ne reste donc plus que l'autre moitié à prendre. Tous connaîtront la force de ma lance. Première ligne, lancez l'assaut. Je vous montrerai que je suis digne de mon seigneur. La première ligne de l'ennemi est trop forte. Elle nous repousse. J'ai besoin de renforts. Et vous vous dites soldat d'élite, battez-vous mieux. La justice est avec nous, nous l'emporterons. Voici une autre armée. Je te salue. Nous ne les contiendrons pas longtemps. Nous avons besoin d'aide. Il ne peut y avoir que deux issues au combat. La victoire ou la mort. Faites votre choix. Oh, vous avez entendu? Le commandant a refusé d'envoyer des renforts au front. Il nous repousse. Nous serons bientôt en difficulté. Allons-y! Allez, mon garçon! Je vais te montrer comment on s'y prend! Ils ont l'air forts! Courage! Pas mal pour un genou. Je détruire. Tenez bon, les renforts vont arriver. J'ai battu un officier. Ceci est futile. Quoi? Encore de retour ici? Nous nous en sommes sortis. Il s'en est fallu de peu. Regarde ma lance et apprends. Je
Je ne puis tomber là. Mon seigneur a besoin de moi. Le même endroit. Enfin, j'ai pu m'échapper. Il s'est moqué de moi. Les batailles ne sont pas uniquement gagnées par la force. Dès maintenant. Quoi ? Nous sommes encore arrivés au même endroit ? On y est arrivé ! C'était un piège étrange. Je m'oppose à tous ceux qui détruisent la paix. Je n'aurai pas le talent de mes frères. Lu Bu repousse Liu Bei à Yiling et pousse l'attaque jusqu'à Chengdu, s'emparant de la province de Yi. De ce fait, Lu Bu gouverne tout le sud de la Chine. Liu Bei s'installe à Tian Shui, et Zhuge Liang ainsi que Pang Tong suggèrent de tout donner dans une ultime bataille en attaquant en direction de Chang'an, avant de se retrouver pris en étau entre Lu Bu et Dongzhuo. Le Shu a encore beaucoup de troupes dans le nord-ouest de la Chine. Si seulement ils pouvaient tuer Dongzhuo dans cette campagne, ils auraient une chance de renverser la balance. Selon Dongzhuo, Liu Bei est un charlatan de la pire espèce qui aurait obtenu le soutien du peuple en prétendant œuvrer en vue de la restauration de la dynastie Han, alors que tout ce qu'il souhaite, c'est le pouvoir absolu. Il ne laissera pas un hypocrite comme lui l'emporter. Zhuge Liang et Liu Bei arrivent aux plaines de Wuzhang et se préparent à la bataille finale. Dongzhuo demande des renforts à Lu Bu afin d'en finir une bonne fois pour toutes. Zhuge Liang et Pang Tong, qui craignaient une attaque en étau, comprennent que Lu Bu ne viendra pas. Il y a donc de l'espoir dans cette bataille. Nous sommes finalement arrivés là. Oui, bien que ce fût pour le bien du royaume, j'ai impliqué beaucoup, beaucoup trop d'innocents. Mais ce fut seulement pour cet instant-là. Oh, mon très cher peuple, prête-moi ta force. Des renforts ? Lu Bu n'est pas encore arrivé ? Hein ? Non, monsieur, il n'est pas encore là. Liu Bei, seul un fou pourrait vouloir ressusciter l'empereur Han. Je vais vous montrer. Protégez le centre. Les renforts seront bientôt là. Nous allons écraser ces crétins impudents. Qu'est-ce que c'est ? Vermine !
Nous devons bien nous battre. Ne va pas trop vite. Il faut attendre les renforts. Je me moque de combien vous êtes. Cela ne changera rien à l'affaire. Vite! L'ennemi est juste devant nous! Enfin un adversaire de valeur. Impressionnant. Je vais me retirer. Pour l'instant. Je vais te détruire d'un seul coup. D'obéir à un ordre aussi simple. Quelle contrariété! Venez, je vais tous vous affronter. Bien, finissons-en. En avant! Une bagarre? C'est pas mon style. Ici. Je suis Sang Fei. Nous ne pouvons les contenir. Nous ne les laisserons pas passer. Je suis par ici. Salut. Je suis Jian Wei. Bats-toi. Thank you.
S'il te plaît. Qui es-tu? Puisque tu nous as vus, tu dois mourir! Ils meurent tous un par un. Ha! Qui continue? Tous sauf moi. Ha! Je sais déjà ce qu'il en sortira. Impressionnant. Je ne peux croire à avoir été incapable de remercier Liu Bei pour sa confiance. Je m'oppose à tous ceux qui détruisent la paix. Yeah!
désolé d'avoir à vous dire, mais je dois rompre notre serment. Malgré l'absence des renforts de Lu Bu, Dongzhuo terrasse Liu Bei et l'empire Shu s'effondre. Le pays est de ce fait unifié par Dongzhuo. Il rentre pour fêter sa victoire à Luoyang, où une surprise l'y attend. Il convoitait un trésor en particulier que le Wu possédait, les deux sœurs Qiao, et celles-ci s'étaient enfuies avec l'aide de quelques officiers survivants du Wu. Dongzhuo apprend qu'elles auraient été localisées près de Xiapi, déguisées en simples paysannes, et capturées. Dongzhuo compte bien en faire ses concubines pour fêter cette unification. D'anciens officiers du Wu survivants apprennent la capture des deux Qiao. Leurs anciens maris, Sun Ce et Zhu Yu, sont morts, mais en leur honneur, ils donneront tout pour sortir les deux Qiao des griffes de ce port de Dongzhuo et pour venger leur seigneur. D'anciens officiers de Cao Cao et du Shu sont également prêts à tout pour la vengeance. Tout ce qu'il leur faudrait, c'est une opportunité.